confinement, c'est une beuverie qui retourne peu de temps après pour le Grand Prix de France. Là, c'est un public familial, il y a autant de monde, mais... Ben oui, je suis d'accord. C'est une question de catégorie publique, c'est pas... Je sais, j'habite Angers, donc j'y vais régulièrement, j'en prie. Donc voilà, mais c'est différent, c'est la catégorie de personnes, vous le dites, vous avez raison. Mais les groupes de supporters, mais c'est ça qu'il faut, à mon avis, régler ces problèmes, ce sont les supporters violents, pour que tout le monde puisse aller dans un stade, en toute sécurité. Merci Olivier, qui fait donc la distinction entre le rugby et le foot. D'accord pour le rugby, mais non pour le foot. Merci Olivier d'avoir appelé au 32-16. Martin, il est médecin. Alors, que pense le médecin? Bonjour Martin. Bonjour. Alors, bonjour. Vous le médecin, a priori, vous devriez être pour l'interdiction de l'alcool. J'ai pas d'avis tranché, moi. Ce que je vous dis, c'est que c'est assez hypocrite de l'interdire dehors. Moi, j'ai été un habitué. Maintenant, je suis à Dijon, mais je suis lyonnais au départ. J'ai été habitué d'aller au stade de Gerland voir des matchs, ouais, dans les tribunes populaires. Et l'alcool était interdit dehors. Mais qu'est-ce que vous pouviez voir, les gars, titurés à l'orée du virage, enfin, tout près du virage nord, et arriver complètement déchiré dans le cop, quoi. Enfin, donc, moi, je fais le parallèle avec les open bars en médecine qui maintenant sont interdits. Moi, je me souviens qu'on ne buvait pas beaucoup aux soirées, mais on a fait des pré-soirées avant et on était déchirés, quoi. Enfin, mais c'est pas parce qu'il y a des supporters qui sont bourrés avant qu'il faut qu'ils continuent à l'être pendant le match. Ouais, après, là-dessus, moi, je dis juste que c'est hypocrite. Si on veut boire, on peut arriver bourré avant et arriver violent avant le stade. Et pourquoi, on lit l'alcool avec le foot. Veut toujours tout légiférer, il y a un moment, je vais dire... C'est la loi E20, Johnny. Mais cette loi E20, c'est pas pour ça qu'on est obligé de dire que c'est formidable, la loi E20. Moi, je suis désolé, je pense que ça passe par la responsabilité individuelle. Mais parce que si tu n'as pas le droit de dépasser 130 km sur l'autoroute, t'empêchera pas les pauvres ou la droite. Johnny, il faut rouler à 200 bourrés. Mais c'est pas la question, c'est parce que tu peux créer toutes les lois que tu veux, ça ne changera pas. Les gens qui vont apprendre ça... Sur les questions de santé, l'État a une responsabilité. Néanmoins, aujourd'hui par exemple, on va assister là dans les mois qui viennent à une espèce, je l'espère, d'offensive contre le lobby du sucre. Ah bon, je l'espère. Ben, en Angleterre, il vient d'être voté une loi qui taxe les produits sucrés pour éviter à nos enfants d'aller vers l'obésité. Je rappelle qu'il y a multiplication par 4 des diabètes de type 2 et qu'on considère donc que ça coûte une fortune à l'État, le lobby du sucre. En France, on continue de faire de la pub pour tous les produits sucrés sur les chaînes pour enfants, mais j'espère qu'il va y avoir là la santé va être plus forte que les lobbies du sucre. Donc, eh bien, on ira au stade. C'est une responsabilité de l'État, la question de la santé publique. On ne peut pas la laisser la responsabilité individuelle. Ça fait un coup, Johnny. Quand, par ailleurs, nous sommes dans un pays alcoolique, nous sommes les premiers consommateurs d'alcool devant l'Italie et même devant la Russie qui nous égale. Et donc nous avons une véritable responsabilité d'État et de culture par rapport à la question de l'alcool. Je dis 50 000 morts directs, 50 000 morts indirects. Moi, c'est quand même pas moi je veux donner ce qu'on veut, mais quel est le résultat? Faut pas être con, votez une loi, c'est très bien. La tradition du cannabis, quel est le résultat? Alors donc, on continue à faire ça? Attendez, comme ça on a la conscience tranquille. L'État est bien obligé de faire quelque chose. On remercie Martin, le médecin, merci d'avoir appelé au 32-16. Un dernier mot, Mohamed. Ouais, je voulais juste dire que j'étais d'accord avec Martin, parce que en fait, ce qu'on réalise pas, c'est que la psychologie des gens qui veulent faire la fête, qui veulent boire, qui veulent kiffer un match, c'est de se bourrer la gueule le maximum possible avant de rentrer. Et le fait de concentrer 3-4 pintes et des shots sur une demi-heure avant de rentrer, ça suffit. Protection, ça fait en sorte qu'ils sont plus bourrés. Et s'ils savent qu'ils peuvent boire à l'intérieur, ils ne vont pas se défoncer la gueule. C'est cette quantité à hausse sur peu de temps. C'est le problème. Voilà, mes chers Rangel, dans un instant, les infos sur RMC.